Yo les potes, c'est NSQ, nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment débloquer une pioche totalement gratuite. Du coup, restez bien jusqu'à la fin les gars, après je vais la tester en game. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Donc c'est parti pour la vidéo. Hop, donc en gros, je vais vous expliquer comment l'avoir, vous allez voir. Hop, déjà on récupère mes petites récompenses. Ok, nul. C'est une pioche pour Battle Royale d'ailleurs les gars. Donc c'est pas sauver le monde. Là je suis sur sauver le monde mais je vais vous expliquer juste après. Ok. En gros vous avez vu je suis niveau 195. Donc je viens de le passer dans la game là. Hop. On va dans amélioration, outils. Et vous pouvez voir ici pioche améliorée. Je peux l'améliorer. On va l'améliorer tout de suite. Et attention. Et voilà. Quête terminée, pioche laser. On va l'ouvrir. Et voilà. Oh là 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 là. En vrai de vrai. Elle est super belle. En vrai elle est trop belle. Il y a la même en rose où il fallait acheter juste sauver le monde pour l'avoir. Là faut être niveau 195 les gars. Hop, vous améliorez ici dans amélioration. Hop, commandement, amélioration. Hop, outils, pioche améliorée et vous améliorez. Donc là la prochaine pioche ce sera au niveau 245. Donc voilà, on va regarder dans le casier. Wouah. En vrai elle est belle non? Dites-moi dans les commentaires si vous l'aimez bien. Écoutez le bruit. Ok. Hop, maintenant on va aller en Battle Royale les gars. D'ailleurs quand je suis en sauver le monde, je suis tout le temps en public. Donc si vous voulez me rejoindre, n'hésitez pas. Il n'y en a pas beaucoup qui ont sauvé le monde, mais je joue avec tout le monde en sauver le monde. Je suis en public, je joue avec tout le monde. En Battle Royale, je joue un peu moins en public. Mais ça arrive de temps en temps, donc regardez des fois. Du coup c'est parti Battle Royale. On va faire une petite game comme promis avec la pioche. Hop, je vais même me faire un petit combo. Mais avant, n'hésitez pas, code créateur NSQ dans la boutique. Totalement gratuit, les gars, et ça m'aide beaucoup. Du coup, je vais mettre hop, le petit combo. Attendez, j'ai pas un petit combo d'ailleurs. Comme ça, au moins, ça me la laisse. Hop, elle est juste là. Oh là là, ça fait plaisir. Sauvegarder. Là, je fais mon combo, les gars. C'est rapide. Hop, sauvegarder. Oh là là. Je vais vous montrer d'ailleurs, attendez, toutes les pioches sauver le monde. Donc les gars, on se retrouve maintenant pour les pioches sauver le monde. Ça c'est toutes les pioches sauver le monde que vous pouvez débloquer. Je vais vous montrer une par une comment les débloquer. Alors déjà, celle-ci, la sillage sadique, et celle-ci, éclat rose. Les deux là, vous pouvez les débloquer en achetant sauver le monde. Mais en ce moment, je sais plus si ça marche, dites-moi dans les commentaires, parce que c'était à l'époque, quand vous achetez Sauver le Monde, vous aviez les deux pioches gratuites directes. Ensuite, vous avez celle-là, vieille branche. Pour l'avoir, faut améliorer les pioches une fois, juste une fois. Celle-là, c'est deux fois. Ensuite, la troisième, il me semble que c'est celle-ci, les gars. Trois fois, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, amélioration. Quatre fois. Cinq fois. Et la dernière que je viens d'avoir, six fois. Et la dernière, ça sera la septième qui est encore plus belle. Je vous ferai une vidéo à l'occasion. Hop. Du coup, c'est parti. Je vais aller en créatif. Hop. Et puis, on va tester la pioche un petit peu pour voir comment ça rend. D'ailleurs, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo... non, je vais pas le dire maintenant. Je vais pas le dire maintenant. Surprise. Hop. On va lancer un petit créatif. Allez, allez. Attention, ça charge. C'est un petit peu long, c'est normal. C'est long quand même. D'ailleurs, cet écran de chargement, je crois que j'ai fait une vidéo pour le débloquer. Je sais pas. En tout cas, si vous voulez plus de vidéos comme ça pour débloquer des choses gratuites, les gars, dites-le moi. Totalement gratuit. Enfin, faut juste acheter Sauver le Monde, mais c'est gratuit. Sinon, sans Sauver le Monde, énormément de personnes l'ont. Hop, je lance ma map edit. D'ailleurs, si vous voulez que je mette un code sur cette map edit, dites-le moi. Puisque je peux mettre un code et vous l'utilisez. Du coup, on va tester un petit peu la pioche. Écoutez le bruit. Ok. On va tester sur différentes surfaces. Sur du bois, attention. Ok. Sur de la pierre. Ok. Et sur du métal. En vrai, j'aime bien le bruit. J'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire du bruit. On va faire un petit peu de map edit. Du coup, bah, c'est ma map. Je vais pas vous la présenter parce que c'est pas le but de la vidéo les gars. Mais si vous voulez une présentation de cette map, voilà, dites-le moi. Hop.
On va build un petit peu. C'est là-bas que ça commence. Putain, elle est quand même. Elle est belle. Hop. Je vous montre un peu en même temps les exercices comme ça. C'est vraiment des exercices simples. Du plus simple au plus dur. Pour s'entraîner. Hop. La fight des fois un peu buggée. Je veux faire des buts en 3, du coup ça marche pas. Hop. Ensuite là c'est triple élite les gars. Donc là je vais pas faire n'importe quoi, attendez. Hop, on va se concentrer. Voilà. Quand je me concentre ça passe mieux. Hop hop hop. Au moins on entend le bruit quand on édite. Là ça part carrément en map élite alors que c'était... c'était pour vous montrer. J'étais censé vous montrer la pioche. Ça part en map edit, c'est n'importe quoi. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous remontrer comment la débloquer si vous avez rien compris. Parce que, en fait, je pense que vous avez rien compris quand j'étais en seul monde. Donc, s'il y en a qui sont jusque là de la vidéo, vous avez toujours rien compris. Vous inquiétez pas, restez jusqu'à la fin. Je vais vous réexpliquer après. Ouais, en vrai, je suis nul aujourd'hui, les gars. Mon niveau, c'est exécrable. Je suis désolé. Je suis désolé de vous infliger ça. Regardez comment je suis nul. Je one shot ça normalement, je le one shot. Bon bref. Ouais voilà voilà. Hop, je build un petit peu. Je fais n'importe quoi en vrai de vrai. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien ces petites vidéos de chill où on se prend pas la tête, on parle entre nous. C'est vraiment des vidéos de détente. Voilà. Du coup la pioche, je vais regarder encore mieux. En vrai elle est belle. Je vous fais écouter un petit peu le bruit. Ok. Aïe aïe aïe. Ok, du coup, les gars, on va partir tout de suite en mode sauver le monde pour vous expliquer comment la débloquer. Parce que je l'ai expliqué en début de vidéo, mais vous avez rien compris. Des fois, en plus, il y en a plein. Ils me disent dans les commentaires oh, j'ai pas compris. Mec, regarde la vidéo. Des fois, je sais que je parle un peu vite. Ou que vous comprenez rien. Mais c'est très simple. Donc là, merde. Vous allez sur les trois modes de jeu. Battle Royale, Créatif, Sauver le Monde. Vous cliquez à gauche, Sauver le Monde. Hop, on clique. Si vous l'avez pas, vous l'achetez. si vous voulez pas l'acheter, vous l'achetez pas. Mais s'il y en a qui veulent l'acheter, code créateur NSQ. Parce que vous êtes de moins en moins. Au sans soutien, j'offre un cadeau. Au sans soutien, j'offre un cadeau. Retenez bien. Du coup, c'est parti, Sauver le Monde. Hop hop hop. Et je vais vous expliquer comment la débloquer. Ça lance, ça lance. Je suis désolé les gars si c'est long, je suis désolé. Hop, parfait. Vous êtes là, il y a plein d'onglets. Ok. Vous allez dans boutique de lama, hop, code créateur NSQ. Voilà, non je rigole. Du coup, commandement. Vous voyez la case commandement. Il y a plein d'icônes. Celle du milieu où il y a des petits hexagones en jaune, amélioration, on clique. Et là, vous avez plein d'améliorations. Donc ça, c'est tous vos gadgets. En mode sauver le monde, genre, c'est des gadgets, des pouvoirs. Moi, j'utilise que les deux là, c'est les meilleurs, clairement. Et dans outils, c'est des choses que vous pouvez utiliser. Genre ça augmente la taille de votre sac à dos. Ça, c'est pour réparer vos builds. Et ça, c'est pour piocher plus fort. En gros, sur sauver le monde, plus vous améliorez ça, plus vous piochez fort les matériaux. Genre en gros vous tapez très fort. Enfin je pense que vous avez rien compris, mais en gros vous mettez plus de dégâts, voilà c'est ce que je voulais dire. Du coup plus vous l'améliorez, plus vous avez des belles pioches. La mienne c'est niveau 195 si vous la voulez. Et la prochaine, la plus belle, 245. Et je sais pas s'il y en a une dernière parce qu'il y a deux petits points. Mais je crois qu'il n'y en a pas d'autres. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va regarder j'ai combien de pioches. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, 6. Les deux là, parce que je vous ai déjà expliqué. Du coup, il y en a bien 6. Et puis, on se retrouvera quand je serai niveau 195 pour la dernière pioche. En tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé qu'elle soit longue, mais c'est entre nous. C'est chill, les gars. Maintenant, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, la petite surprise, c'est juste que vous allez marquer en commentaire. Vous allez marquer.
je sais pas, un truc drôle, Poutine, pour tous les amis québécois. Vous marquez Poutine en commentaire, et puis ça veut dire que vous serez resté jusqu'à la fin de la vidéo. Donc tous ceux qui ont marqué ça, ça veut dire que vous êtes des vrais, vous êtes restés jusqu'à la fin, et je vous kiffe, voilà. Hop, du coup, maintenant la vidéo elle est finie, les gars, donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et pensez au code créateur NSQ dans la boutique. Ciao, et désolé si la vidéo elle était longue.